parler ici, non ? Hassan Agmidal, un jeune nomade titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, a troqué son statut de fonctionnaire de l'État pour se consacrer à ce qui est devenu désormais sa passion, l'artisanat. Un métier qu'il a embrassé par un concours de hasard en décidant de recycler des objets usés, palettes, pneus et cartons qu'il ramasse sur des dépotoirs d'ordures. Avec ces objets, Hassan confectionne des meubles qu'il décore en y ajoutant des couleurs et des pagnes, authentiquement nigériens. Ce qui est produit localement, c'est culturel. Parce que c'est quand on n'importe pas quelque chose, quand on les produit ici et on les produit avec les moyens qu'on a, ça veut dire que c'est déjà une culture nigérienne que personne ne peut se l'approprier. Quand je crée une table, maintenant je lui colle un pain sakala ou tera tera. Là, tout celui qui le voit, il sait que c'est Zarmaganda ou la tera ou tera. C'est authentique nigérien. Et donc j'utilise ce côté culturel. Et ça permet aussi la visibilité de nos pagnes. Donc, et ça, c'est, ça donne de l'importance. Là, je lui sors, et là, c'est... Les œuvres d'Hassan sont très appréciées des Nigériens et des expatriés qui le suivent sur la toile. C'est pourquoi l'artiste nomade a créé sa galerie où il expose régulièrement ses réalisations. Palettes, tourelles et pneus. Donc on peut accrocher des clés, des habits, voilà. Pour lui, rien n'est plus important que de valoriser et promouvoir sa culture. Aujourd'hui, il livre des tableaux de décoration pour un restaurant de Niamey qui utilise déjà ses poufs, tables et canapés. En fait, c'est moi qui fais des trucs comme ça. Pour le propriétaire du restaurant, la collaboration est très bénéfique. Ses clients apprécient énormément le travail de l'artiste et son restaurant est désormais plus coloré. Les clients, la première des choses, dès qu'ils rentrent, et c'est pour ça qu'on a mis ce salon-là, ils trouvent ça magnifique. Il y a beaucoup de clients aussi qui veulent manger sur les palettes et les tables que vous avez vues ici devant vous. Donc, ils sont contents et puis c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Hassan Agmidal souhaite faire rayonner la culture nigérienne au-delà des frontières de son pays. Pour cela, il compte agrandir son entreprise et ouvrir plusieurs galeries dans la sous-région.